Les patients ont très souvent la peau sèche, d'ailleurs que ce soit avec les chimiothérapies conventionnelles ou avec nos thérapies ciblées. C'est extrêmement fréquent. On a des bons émollients, on peut mettre des crèmes émollientes, il faut que les gens trouvent à peu près celles qui leur conviennent. Moisturizing the face and body every day with an emollient is essential to offset dryness caused by medicinal treatments. The emollient softens, moisturizes and protects the skin. Choose hypoallergenic emollients that contain the fewest number of ingredients possible. To offset dryness, choose moisturizing creams with rich textures. If there is redness, choose soothing creams for hypersensitive skin. To apply, spread the cream on the fingertips, apply to the cheeks, forehead and neck. Then, smooth from the center towards the contours of the face, including the neck and neckline. For dry skin on the body caused by medicinal treatments, apply an emollient to the body once or twice a day. For gentle application, spread it between both hands, dab onto the body, use the entire palm to work the emollient into the skin. If the eye contour is dry or irritated, apply a soothing eye contour cream daily. Apply by dabbing with a fingertip, drum the fingers to work it into the skin, finish up by soothing skin gently. For dry lips, use a cold cream stick 2 to 3 times a day and use as a base for lipstick. For shaped lips, use the cold cream lip balm with its supple texture. As a complement to the other emollient products, a moisturizing mask should be applied 1 to 3 times a week to enhance hydration in the skin. Apply in a thick layer and use the leave-on time to make thermal water compressors for the eyelids. Et pourquoi ça peut être embêtant, la sécheresse de la peau, la xérose? Parce que c'est pas confortable, ça peut entraîner des démangeaisons. Et en plus, on peut fissurer, la peau peut se fissurer, c'est souvent associé à un peu d'hyperkératose, donc la peau est un peu rigide, elle est sèche et rigide et donc elle se fissure. Et quand elle se fissure, c'est souvent aux extrémités, au bout des doigts, ou au niveau des talons, ça fait très mal. Ça a l'air de rien, c'est pas impressionnant, mais ça fait mal. Et là, il faut mettre des traitements qui vont traiter un peu l'hyperkératose. Donc, il faut mettre des traitements qui sont émollients, hydratants, mais aussi un peu kératolytiques. Donc, on peut mettre des crèmes qui contiennent un peu d'urée. Et il faut réassouplir cette peau qui est devenue un peu cartonnée, un peu rigide. If itching is a problem, choose creams or balms that are specifically formulated to soothe itching. Apply once or several times a day, depending on your needs.